Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est un unboxing avec la boutique New Craft Day News. New Craft Day News, oui, je sais plus. Enfin, New Craft Day, je vous mets en bas comme d'habitude. Alors, j'ai un petit souci. Bon, je vous ai déjà fait une vidéo unboxing avec cette boutique pour des broderies. Et j'avais filmé une deuxième vidéo, puisqu'il m'avait demandé de faire à part les deux vidéos, puisque broderie et diamond painting, c'était pas la même chose. Donc, c'est ce que j'avais fait. Et en même temps, de faire un tuto pour ce que je vais vous montrer. Donc, en tout, vous aurez deux vidéos ici. Mais j'ai un souci. J'avais filmé ma vidéo, donc tout bien. J'avais mis de côté parce que j'avais dit je vais la mettre en ligne, enfin je vais faire le montage, parce que le montage n'était pas encore fait, je vais faire le montage et je vous la mettrai en ligne. J'ai voulu faire le montage, j'ai perdu la vidéo. Je suis un peu embêtée. Parce que dans la vidéo que je vous avais fait, je vais vous montrer donc un diamond painting que je vais vous présenter aujourd'hui. Ça, je l'ai toujours. Mais dans la deuxième vidéo que vous verrez, il y a un tuto avec deux articles qui m'ont demandé de présenter. Je voulais présenter dans cette première vidéo en brut, voilà, les articles eux-mêmes. Mais moi après j'ai fait ma vidéo tuto, j'ai filmé ma vidéo tuto et donc les articles maintenant je m'en suis servi pour faire le tuto, donc je ne les ai plus là en main pour vous le présenter. J'en suis vraiment désolée, je m'excuse auprès de la boutique. De toute façon je leur ai fait un email pour m'excuser. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai cherché partout dans mes... Si j'aurais pas mis dans un autre dossier, j'ai fait tous mes dossiers sur l'ordinateur. Parce que des fois, ça arrive, hein, on enregistre un truc, et puis hop, ça part ailleurs. On ne sait pas pourquoi. J'ai fouillé dans tous mes dossiers sur mon ordinateur. Je ne sais pas. J'ai fouillé la corbeille, j'étais voir dans les téléchargements si ça serait parti là-bas. Ou... Plus moyen. Alors, là, aujourd'hui, je vais vous présenter le kit. Et... je vous parle d'abord tout de suite des deux autres articles que je vais vous mettre en photo avec les photos de la boutique. Mais comme vous allez voir le tuto sur la deuxième vidéo où je vais vous la mettre à la suite ici, je vais voir au montage comment je vais faire les deux autres articles. Alors les deux autres articles, c'était des bordures. Alors là, il m'en reste un bout, par contre, de une. L'autre, il ne me reste plus. Je regarde, il ne me reste pas un petit bout. Non, il ne me reste plus un petit bout. Non, il ne me reste même pas un petit bout de l'autre. Si, il me reste un petit bout. Alors, attendez. Je suis vraiment en la honte. C'est la honte pour la boutique. Je suis vraiment désolée, mais alors, un point. Ça m'est jamais arrivé, ça. Je vous jure que ça m'est jamais arrivé. Donc, c'était des bordures autocollantes. Au lieu d'encadrer votre DP, comme on peut faire avec un cadre qu'on peut acheter chez Action, ailleurs, chez Leroy Merlin, n'importe. On peut faire soi-même un cadre, mais autocollant, autour de notre DP. Donc là, il n'y aura pas de vitre, hein, bien sûr. Avec deux articles. J'enroule un peu ce qui me reste là. Je m'excuse, la boutique. Je n'ai pas fait exprès. Alors, le premier, c'est celui-ci. Voilà. Donc, vous voyez, il ne reste pas beaucoup. Hein. J'ai utilisé, vous verrez sur le kit. Alors, ça ressemble un peu à de la toile émerique quand on le touche. Et donc, c'est autocollant. Là, vous le décollez. Je vais pas le décoller parce que là, sinon, bon, le bout qui me reste, je pense m'en servir pour autre chose. Et avec ça, vous allez faire un cadre que vous allez mettre tout autour de votre DP. Donc ça, vous le verrez dans le tuto.
Alors avec ça, avec celui-là, vous avez également une barre en bois et vous avez un ruban qui est donné. C'est une barre en bois ronde, une petite barre en bois ronde, pour pouvoir vous l'accrocher au mur. Je vais vous mettre les photos. Hein, il y a là, quelque part, je vous mets toutes les photos possibles et inimaginables que je peux faire. Donc avec celui-là, c'est celui que je préfère en fin de compte. Mais bon, les deux sont bien, mais je préfère celui-là. Et donc vous allez faire votre cadre vous-même autour de votre DP. Donc il y a celui-là que vous recevez donc avec une petite barre en bois et un petit ruban pour accrocher au mur. Alors là, il me reste presque rien du deuxième. C'est pareil, c'est une bordure autocollante, mais là, elle est en mousse. Voilà ce qui me reste. Je suis désolée. Voilà, une bordure en mousse qui on voit le dessin de, voyez, comme une bordure en bois, hein. Voilà, mais là, c'est de la mousse, vous voyez. Là, là c'est décollé un petit peu. Celle-là, je peux plus l'utiliser, vous voyez. Derrière, c'est de la mousse. Et idem, vous allez coller ça autour de votre DP. Donc là, vous avez un rouleau comme ça. Je ne sais plus. Je vous mets en bas, pareil, pour les deux, je vous mets combien de mètres il y a dedans. Il n'y a pas beaucoup, hein, ça doit être 1 mètre, mais je vous marque. Voilà. Et donc avec ça, vous allez vous faire vos encadrements vous-même autour de vos DP. Voilà. Je vous mets les images et vous avez le tuto juste après. Ce sera beaucoup plus parlant. Mais je m'y excuse. Je présentais beaucoup mieux avec mon autre vidéo. Mais là, je suis vraiment désolée. Donc voilà les deux articles que je devais vous présenter, que je vous présentais dans la précédente vidéo, mais je m'en suis servi pour le tuto. Mais bon, comme j'ai fait le tuto, heureusement que j'ai pas perdu le tuto, parce que là je serais bien. Voilà. Alors ensuite j'ai eu donc un DP perle ronde. La taille c'est 50-40 et il y a 23 couleurs. Donc avec, comme d'habitude, on a le petit kit qui va bien comme d'hab, hein, sans souci. Et vous avez les perles, voilà, rondes en sachet zippé. Donc je vais vous les montrer. Du coup, je les ressors. Je vous montre les couleurs. Ça, c'est un marron, hein. On voit pas bien la lumière, mais c'est marron. Là, on voit bien. Il y a deux sortes de vert foncé. Il est un peu plus foncé, celui-là. Là, c'est un gris, oui. Clair, très clair. Voilà, encore un bleu. Les couleurs sont un peu plus pimpantes, la caméra, parce que c'est avec la lumière. Là, c'est du noir, ça. Ouais, ça, c'est un noir. Donc, je suis prêt à l'envers, mais bon, c'est pareil. C'est pas tout à fait un blanc, ça. Petit rose pâle. Un petit saumon, vous ne voyez pas bien, mais vous voyez, c'est un saumon. Alors, c'est un beige clair. Hop. Encore un bleu. Encore un autre beige clair. Il y a plusieurs sortes, c'est des beiges rosés, hein. Voilà. Et donc le kit, je vous ai dit, c'est un 50-40 en taille complète, je crois. On va vérifier. En taille du dessin, ça fait ouais un petit peu plus de 44 sur
Ma règle est trop grande. Sur 35, sur 35. Voilà. Et voilà le dessin. Super beau. Et il est chouette, hein? Donc voilà. Donc j'aime beaucoup ce DP avec le bord de mer. Ça sent les vacances. Donc je vous remets en image aussi hein, pour que vous le voyez mieux. Vous voyez, il y a même les petites mouettes. Vous voyez, hop, on a même les petites mouettes, le phare, voilà, les petites chaises longues. Donc voilà. Alors, encore toutes mes excuses, mea culpa, pour cette perte de vidéo déjà, et également pour ne pas avoir pu vous présenter en entier les rouleaux que j'ai reçus. J'en suis vraiment désolée. Mais je crois me rappeler donc, que dans le tuto, je vous les montre brièvement, les deux rouleaux. Donc je vais voir si je vous les mets à la suite, mais je pense que je vais plutôt vous faire une deuxième vidéo tuto, ce sera mieux parce que sinon la vidéo va être trop longue. Et s'il y en a qui veulent pas voir le tuto, que ça les intéresse pas, au moins ils apprendront la vidéo, ce sera beaucoup mieux, je pense. Et ceux qui veulent voir le tuto, ben, iront voir la vidéo tuto. Je crois que ce sera beaucoup mieux. On va faire comme ça. pardon. La boutique Dreamcraft Day vous offre un code promo également si vous voulez faire une commande. Et puis de toute façon, je vais vous remettre les liens également des articles que je vous ai présentés aujourd'hui. Donc la bordure noire, la bordure mousse et le kit. Donc vous pourrez également aller revoir directement sur le site. Voilà. Et donc la boutique vous offre un code promo moins 10%. Avec le code Didit 10. Voilà, je vous le marque ici et vous l'avez aussi en barre d'infos. Voilà. Encore toutes mes excuses. Je me suis énormément excusée dans cette vidéo, mais ça ne m'arrive jamais. Et là, je suis vraiment honteuse d'avoir perdu. Enfin, j'ai pas perdu l'article puisque je m'en suis servie. Mais de ne pas avoir pu vous représenter en entier, puisque voilà. Je ne sais pas où est fou. Partie cette purée de vidéo. Je dis purée, hein, pour ne pas dire un autre mot, parce que je suis polie. Mais, et vous avez, le pire, c'est que je suis sûre, je vais monter ma vidéo, là, je vais monter ma vidéo tuto, et vous allez voir que je vais retrouver l'ancienne vidéo. C'est le coup que je vais retomber sur mon ancienne vidéo. Alors là, je me bouffe les doigts. Bon, allez, il y a plus grave dans la vie, on va dire. Et je pense pas que la boutique va m'en vouloir. J'espère. Non, mais je pense pas. J'ai soif. J'ai trop parlé. Je vous fais à tous des gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos dans de meilleures circonstances. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Je sais même plus ma phrase, vous voyez, je suis. Oh. Bon, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Hein? C'est pas mieux ça? Je sais même plus ce que je dois dire. Complètement HS la Didite aujourd'hui. Allez. Je vous fais plein de gros bisous. Ça ira mieux à la prochaine. Bisous!